Allez, pour aujourd'hui, c'est notre dernier exercice. Je ne vous ai pas encore appris à colorier les moyens et les grands. Alors les grands, bien sûr, l'année dernière, je vous ai appris. Et les moyens, on a dû vous apprendre en petites sections. Cette année, nous avons seulement appris à décorer. Décorer, vous vous rappelez, c'est faire des tracés. On remplit à l'aide de traits. C'est ce qu'on appelle décorer. Bien. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est colorier. C'est remplir d'une couleur, une forme, quelque chose. Je vais vous montrer comment faire. On colorie d'abord le contour de la forme à l'intérieur. Je ne commence pas au milieu, je commence ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, je suis bloqué, je suis obligé de tourner ma main. Alors, tourner sa main, ça fait mal. Tournez votre feuille. Bien. J'ai colorié les contours. Pourquoi colorier les contours? Parce que quand je vais colorier à l'intérieur, cela va m'empêcher de dépasser. Même quand je fais des grands traits. Parce que je serai protégé par ce que j'ai colorié ici. Si je ne colorie pas les contours, comme ici, regardez si je me mets à colorier. Bien malheureusement, je dépasse parce que je n'ai que le trait pour éviter d'aller de l'autre côté. Moi, j'ai besoin d'avoir un trait plus gros. Donc, je colorie d'abord les contours. Et même en coloriant les contours, vous avez vu, là, j'ai pu dépasser. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire les choses tranquillement. Et après, je peux colorier à l'intérieur plus rapidement. Je rappelle ce qu'il faut faire lorsque l'on veut colorier. Je colorie le contour. Pour que le trait soit plus gros, plus épais. Deuxième chose, si je veux colorier mais que ça me fait mal au poignet parce que je suis obligé de tourner mon poignet. Alors, tournons la feuille. Et après, je colorie à l'intérieur. Ça, ce sont les deux premières étapes pour apprendre à bien colorier sans dépasser.
La deuxième étape sera celle de demain. Alors pour aujourd'hui, je regarde ce que je vous ai mis. Je regarde. Exercice moyen, voilà. Ça, c'était lundi 6 avril, voilà. Alors, ce que je veux, c'est que vous me coloriez uniquement la carapace. Uniquement la carapace. Vous ne faites pas le reste. Si vous me faites la carapace bien comme il faut, 1, je fais les contours. Deux, je tourne la feuille si mon poignet est tordu. Demain, nous verrons la suite. Au revoir les enfants.